Yo, bonjour tout le monde, on est reparti sur la suite du compte Free to Play. Nous sommes actuellement sur le score de 83 à 0, donc on va essayer de faire en sorte que ça continue de tryhard. On a pu récupérer des Arcix magiques grâce au monde du clan. Cette façon, c'est le seul moyen qu'on a de réussir à récupérer des cartes dans ce jeu, sinon on n'a rien. Aujourd'hui, on va aller ouvrir les coffres, revenir à la petite situation du compte, ou augmenter un peu l'Arcix, faire doux ladder, donc essayer de continuer à tryhard un peu les parties, et prochainement, la prochaine, probablement, ce sera du défi classique, on va essayer de faire un petit 12, un truc comme ça. C'est parti. Alors, on ouvre tout ça. On ouvre... Oh, des archères, pas mal. Là, on est sur quelque chose de pas... Du chevalier. Non, là, non, par contre, là, ça déconne, ça commence à déconner. Où sont les boules de feu? Bon, télé, ça va. Parce qu'on la joue, en attendant d'avoir Tesla, on la joue, voilà, on la joue. Donc c'est déjà pas mal. Chevalier, pas mal. Bon, ok. C'était correct moyen. Voilà, on a connu pire, on va pouvoir monter, et ça, c'est surtout ça qui est important. L'Arcix au niveau 9. Ah, ça fait tellement plaisir. Ah oh, là, il en reste plus que 18 pour le monter au niveau 10. Nous avons du coup les squelettes 8, chair 9, fuite barbare 8. Enfin, bon, évidemment, on aimerait bien avoir une bûche, hein, une vraie bûche, une belle bûche. Ça, il faudra qu'on monte également, mais pour l'instant, on est encore un petit peu bas. On pourra pas. Voilà. On peut faire améliorer, hein, parce que ça change rien. Dans tous les cas, on les montera. Mais on a encore un peu le temps, hein. Malheureusement. Comme le golem de glace, hein, ces cartes-là. Il va nous falloir un peu plus. Et là, on peut le monter niveau 5 max. Et lui, niveau... Je pourrais le monter niveau 6. Ok, niveau 6 et niveau 5. Mais on a encore moins du niveau 9. Mais ça va venir. Ça va venir, évidemment. On a fait nos coffres. On est parti pour du ladder. Let's go, guys. Let's go. Alors, en face. SCAD 76, 2458 trophées. On a les esprits de feu. La boule de feu. Le chevalier rose. El cavalier rose. Alors, on va sûrement faire un opening... Esprit de feu. C'est parti. Allez, réponds. Et d'accord, il est comme ça. Lui. Très bien. Comment on gère ça, nous? Alors, écoute, on a quand même dû tout mettre et que ça n'est pas passé pour autant, quoi. Là, tu forces par contre, mon ami. Tu nous refais un avantage de 2 en élixir. On va voir qu'on fasse gaffe. Hein. Ce ballon et cette cavalier, ils nous ont fait tellement mal. Tellement mal. Ouh là là, ouh, je force carrément. Bon, bah écoutez. Ouais, pas déconner quand même. C'est parti. Allez, tu te bats, chevalier. Ouais, tu te bats pour la patrie. Ouais, c'est parti. Ah, et là on sent mieux, là tout de suite on sent un peu qu'on respire, on sent les petits dégâts qui peuvent être mis, il met ballon, on va juste mettre les archères, hop, oh, l'Arcix qui collecte encore un peu, le ballon qui va tomber, et encore on refait un trade de 2 d'élixir en avantage, ça c'est pas mal. On a la TDE pour gérer les potentiels restes de ce qu'il pourra nous mettre. Hop, toi tu navigues vers la gauche, vers la droite, c'est parfait. Petit esprit de feu à droite, ça. Ah, je vais dans le def comme ça. Ah, ça m'embête, ça. Parce que du coup, il faudra mettre une belle cava. Bon, il peut pas la mettre à gauche, il peut la mettre à droite. Sinon, on va essayer de recycler un max. On peut aussi mettre la pression à droite avec, avec de nouveau un... Ah, je vais faire ça, moi. C'est intéressant, je sais pas pourquoi, mais c'est intéressant ce qu'il fait. On va recycler, hein. C'est Jean-Michel Forceur en face. Ok. Honnêtement, là, je suis un peu perdu. Il fait un peu des trucs bizarres. On va remettre une TDE middle pour gérer le prochain push qu'il voudra potentiellement nous mettre. Nous, on peut aller finir avec une petite tour de l'enfer là-bas. Là, il peut mettre ballon, cavalier, prince, il veut. De toute façon, on a tout pour défendre. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, il va se faire tarifer, lui. Alors, il connecte sur Arcix, certes, mais alors derrière. Derrière notre Arcix, il a pas donné son dernier mot en fait. Pas du tout. Là, on a les petits squelettes. On va reprendre l'aggro, les esprits de feu. Nanana, nanana, nanana. Et ça connecte. Ah, bah, il nous a mis un peu de pression lui avec son cavaballon là. Cavaballon. Heureusement, derrière, il était un peu plus soft. Il était un peu plus gentil. Il était un peu plus avenant. Voilà, avenant sur l'élixir. Autrement. Changement de plan de jeu.
Changement de plan de jeu. Bon, c'était pas ouf, hein. Ça nous a coûté cher. Au moins, on ne perd rien. On découvre un peu son deck. Donc, il joue armée de squelettes, sorcier. Ok. Ouais, ça nous a coûté cher quand même. Honnêtement, en fait, j'espérais récupérer mes petits squelettes pour gérer le prince avec la T2 et faire une value de fou. Mais au final, c'est pas exactement passé comme ça. C'était un peu, c'est un peu le chagrin. Là, je vais la rajouter plus par contre. Oh, on prend cher. On prend cher. On prend super cher. Ok. Bon, on a pris le tarif. On a pris le tarif. Il a acheté pas mal de cartes. On va quand même partir en Arcix potentiellement. Ok, c'est pas mal ça. C'est de battre relique. On va faire de la value cette fois-ci. Hein. Ah, lui il tourne. Ok. Derrière, on remet les petits squelettes. Là, lui il brûle. Et on part en Arcix. Et là, au pire, il nous met un sorcier ou autre, mais derrière, on aura la T2 pour défendre. Enfin, on aura la T2 pour défendre une fois qu'il aura traversé l'horizon. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, good. Merde, connect l'Arkix. Pas grand chose, hein, pas grand chose au final. Il a pas trop mal défendu juste avec son sorcier, son armée de squelette. Donc, il a mis 8 d'élixir. Toi, tu te fais défendre. Oh, on va prendre cher. Hein. Bon, c'est pas mal. Ça reste jouable, on va recycler tranquillement au fond de map nos archères, je pense. On recycle par là-bas, ça marche aussi. Est-ce qu'on lui mettrait pas une boule de feu? Allez, c'est parti, petite boule de feu. Mais tout le monde d'accord avec la boule de feu, hein. Vous connaissez l'histoire. Ok. Non, j'ai raté! Bon, c'est pas grave du tout, parce que du coup, on va quand même pouvoir faire de la value. Lui, il va servir d'Arkix défensif et on partira sur un autre Arkix derrière. Il le met là-bas. Ok, bon, il va mourir en direct, ça va. Ça va mourir aussi direct. Notre but, c'est d'aller cycle pour récupérer un autre Arkix, évidemment. Voilà, comme ça. C'est pas grave, hein. Franchement, ça arrive des fois de le rater sur une petite case à droite. Le principal, c'est de pouvoir l'utiliser défensivement derrière comme appui pour votre prochain push. Donc là, pareil, on va pouvoir reposer ça. Ok, il cherche notre Arkix avec le mineur, mais c'est pas très grave, hein. Nous, ça nous arrange bien. On a porté de boule de feu? Non, pas encore. Pas encore la boule de feu. On doit remettre un Arkix. De toute façon, on est bien en élixir, donc c'est pas grave. On va remettre un chevalier cache. Là. Et voilà! Et voilà! Mais ça passe! Ça connecte! Tac! Et ça passe! Et c'est l'Arkix! C'est vraiment bien l'Arkix, hein. C'est vraiment l'archétype du cœur. Hein. Arkix, c'est trop bien, c'est la vie, c'est le feu. Ok, 1750 d'or, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, mais c'est pas mal, mais très bien. J'attends de voir ce qu'il va nous envoyer avec. Ça peut se prendre ça. Ah, je voulais pas faire ça. Hein. Je me suis un peu misclic, on va pas se mentir, je me suis un peu raté. Qui est pas dramatique. Donc il y a quelqu'un qui est sorcière. Hein. Ok, les gangs. Sorcière, bédragon, petit gobelin lance. Genre, je vais balancer une Arkix et voir de quel bois il se chauffe. C'est parti. Alors t'as quoi comme réponse? Non, ça suffira pas. Ok. Correct. Elle est sous rage. Elle en veut, elle est enragée, Bon, allez, je mets quand même ça parce que je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'était peut-être un peu cher. Parce que là, du coup, il est toujours devant en élixir. Je vais avoir. Alors là, j'ai quoi comme option? Je peux déjà kite un peu avec ça. Reprendre l'esprit en chevalier là-bas. Chevalier, il devrait bien tempo. Hein. Ouais, il est parfait le chevalier. Nickel. Ah, il reforce? Ah, ouais, d'accord. Bah, si tu veux. Vous voyez, pas de problème. Tu peux mettre l'élixir que tu veux. Moi, ça me va. J'achète tes plays. Alors, il a le bûcheron et compagnie. Juste recycler les archers fond de map. Attends, avant d'être un peu offensif. De nouveau. Bon, bah, c'est parti. On est en x2. Hein. On aurait tort de s'en priver. Il a arrêté? Il a rage quitte?
Il a rage quit. Il a rage quit, t'es pas content. Ah non, il a rage quit. J'ai menti. Bon, par contre. Ok. On def en fait, hein, y'a pas de soucis. Hein. Oh, on va mettre une tourée des l'enfer pour tanker lui. C'est pas le meilleur play, mais ça marche. En fait, y a pas trop de raison de ne pas le faire. Ah, par contre, tu forces à gauche, oui, d'accord. Bah, bon courage. Parce que nous, à droite, on va mettre des dégâts, là. C'est parti. Let's go. Ok. Oh, c'est le moment où on rajoute une boule de feu, je crois. Oh non, on l'a pas fini. Esprit de feu, je t'invoque. Saute sur la tour. Non, c'était sur la tourée. Pas à côté, comme ça, esprit de feu. Tu fais n'importe quoi, esprit de feu. Honnêtement, là, très très déçu de toi, esprit de feu. Alors, ça va être en mode un peu accéléré pour vous. Vous avez eu un timeslap, un méga timeslap. Évidemment, alors des choses se sont passées, que s'est-il passé? Je trouvais que 3 c'était un peu court pour la vidéo. Et du coup, vu qu'en plus il y a eu d'autres défis, etc., qui sont arrivés après dans l'univers du jeu vidéo, je me suis dit, bon, ça serait bizarre de la tourner. Donc, on aura un timeslap où il y avait les 3 premières games là. Et là, maintenant, on a la suite. Comme vous pouvez le voir, on a un peu débloqué les cartes grâce au défi du tirage de la boule de feu et genre de trucs. Il y avait également le défi des sapeurs. Bon alors on n'a pas eu vraiment des cartes qui nous ont intéressé, mais c'est pas grave, on a eu la boule de feu, ça c'est pas mal. Dans cette vidéo on va aller ouvrir l'ensemble des coffres. Tac, tac, le pass royal, etc. On met à jour le deck en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qu'on peut mettre à jour et des cartes qu'on a. Et ensuite on est parti évidemment pour aller faire un peu de tryhard. C'est parti. Alors on va commencer à ouvrir. Alors des pluies de flèches, ok. Alors on aimerait bien avoir une bûche, mais alors bon, de là à demander une bûche, c'est vrai que ça me paraît un peu gros. Sinon faut qu'on ait une deuxième princesse ou un truc comme ça, parce qu'on a un jeton d'échange qui me sert à rien. Ouh, du chevalier, ça c'est pas mal. Alors, ça aurait pu être de l'Arkix, mais c'est du poison, ouais, ça se ressemble, mais voilà, hein, c'est pas la même chose quand même. Alors, on va faire un truc comme ça, ça vous entendrez mieux le son du jeu. Alors mortier, calme de barbare, ok. Non, pour l'instant non. Bon, c'est pas grave, là-dedans on en a plein, c'est parti. 750 d'or, c'est pas mal. Oh, 19 archers, et voilà qui commence à régaler. Des archers, ça on veut, évidemment ça on veut de l'archère, on en veut à foison. Mortier, barbare, valkyrie, peut-être qu'on la montrera à niveau 9, histoire de la mettre un jour dans une version d'Arkix, mais bon, pour l'instant c'est pas le plan à l'origine. 31 petits squelettes du géant, non, ça c'est pas intéressant du tout. Décidément, mais on a rien, le jeu il équilibre, il donne absolument tout, mais non, on veut pas tout, nous on veut monter que l'Arkix. Oh, ah bah enfin, un Arkix, un exemplaire du fameux Arkix tant demandé. MG, soin, chute squelette, rien. Mais alors là, pas du tout ce qu'on veut, oh là là. Ok, ah, esprit de feu, bon on les a déjà niveau 9, hein, donc je suis pas sûr qu'on les montrera plus. Parce que ça coûtait un peu plus cher quand même que les esprits de glace et voilà, on aimerait bien moi, jouer la version avec l'esprit de glace pour aller faire des fast cycles pour finir l'adversaire. Canon. Ok, encore des squelettes décidément. Et la fournaise, super, génial, bon voilà, on a à peu près rien eu. Ah, il en reste un. Il en reste un encore une fois plein d'or. Oh, 6 boules de feu, ça c'est pas mal. Et de la foudre. Alors, on pourrait presque finir la tournée en fer, mais pas encore. Bon, on va monter quand même la BDF, hein, l'avoir niveau 10, ça sera pas mal. Ça sera déjà pas mal. Voilà, donc elle peut peut-être être un overlevel sur certaines unités, ça pourra faire la différence. Dégâts sur les tours, donc 220, donc voilà, on va retenir 220 dégâts. Le reste est niveau 9, ça on n'a pas la bûche malheureusement, ça on l'a pas encore, il en manque un tout petit peu, et le reste, voilà, c'est... Donc ça commence à monter, mais voilà, on a encore le temps, on a encore clairement le temps, on aimerait bien évidemment récupérer de la bûche, de l'esprit de glace, des golems de glace, des trucs comme ça qu'on a encore très peu. On est parti contre Ransom. Pour l'appel, on est sur du 86-0, donc on va essayer de faire attention à ce que ça se passe bien. On pourrait recycler potentiellement les esprits de fée, mais après on récupère une BDF. Ce qui n'est pas tellement spécialement la carte qu'on a envie de récupérer. Alors là, on va épinir son géant royal. Qu'est-ce qu'il a comme option? Ça a tombé sur la tour, je ne vais même pas m'embêter. Là, on va s'embêter parce qu'il y a une Valkyrie, mais c'est tout. On garde bien pour défendre le géant royal avec la tour de l'enfer. C'est parti. On va également gérer le ballon, on va mettre les petites archères en plus. Oh, il a le sap. Ouf, faut que je scale instant là. Oulala. Non. Oh, il est connecté. Oh, c'est affreux. Mais non.
Oh, il a connecté, c'est son zap, il a fait tellement mal son zap. Bon, j'aurais dû mettre les squelettes instant, hein. Ça c'était ma faute aussi. Il a apporté de double BDF, il a récupéré son géant royal, je vais juste recycler les esprits de feu là-bas. J'ai pas envie d'overcommit en fait, hein. J'ai clairement pas envie. Ok, il part en géant royal là-bas, très bien. Voilà, nous on va quasiment prendre la tourée. Derrière, on va se défendre comme ça. Mettre une tour de l'enfer haute, parce que là il aura peut-être pas encore récupéré ses armements. Le but c'est que ça va être de découper évidemment ce géant royal. Ok, poison, donc là c'est bon, ça découpe, il meurt. Ça lui a coûté assez cher, hein. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. C'est un petit fuit de barbare ici. Bon, par instant en Orkix. Si ballon, il se prend instant des archères. Ok. Ah, ça collecte quand même à l'Arkix, malheureusement. Ah non! Bon, il a rezappé, ce qui lui a permis de reprendre l'aggro. Le canon va tomber gratuitement. On a réussi un peu outcycle tout ça. Les petits squelettes tempo, mais il va se reprendre des coups sur la tour. C'est pas mal. On va recycler nos archères. C'est d'aller finir la tour avec les esprits de feu. Il va falloir recycler son géant royal, on le connaît. Voilà. Lui, il se prend des squelettes instant. Comme ça, même s'il zappe, bah, il se fait quand même découper. Hein. Voilà, il se fait complètement découper. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va juste reposer un Arkix sur le poison. Ça m'est égal. Je vais reprotéger avec le chevalier et les petites archères derrière. Les archères, c'est parti. Alors, ok. Bon, le problème, c'est qu'il a un peu deux réponses sur notre Arkix. Mais là, on a déjà réussi à lui mettre des bons dégâts. Donc, l'un dans l'autre, on n'est pas si mal. Je pense que je peux même me permettre de mettre une tour de l'enfer préventive ici. Voilà, ça, c'est pas mal. Parce que là, elle va aller découper le GR. Donc là, il peut même protéger un peu, mais c'est pas très grave pour nous. Ok. Là, on lui fait cher. Les archères, elles font tellement mal. On reconnecte sur la tour et elle prend le tarif. Est-ce qu'on peut le finir tout de suite? Non, je pense pas. Oh là, ça m'a pas suffi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le ballon passe pas. C'est le principal. Honnêtement, on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais bon, globalement, l'idée était là. On a bien gratté la tour de droite également. On s'est mis pas trop mal. C'est la petite victoire qui passe. Et après, on aura bientôt un autre coffre irlandais. Hein. Je vais vous montrer ça, les quêtes là. Déjà, on débloque ça. Alors, 40 cartes à la quête d'unité Xir, parce qu'il bat des combats. Vous avez vu, dans 32 trucs de quête, on a le coffre légendaire. Donc à tout moment, on pourra avoir une bûche, ou un deuxième mineur, ou une deuxième princesse qu'on convertira en bûche, et ça sera le début de l'ère de la bûche. Et voilà, vu qu'on va monter que la bûche, nous, toutes les légendaires, elles vont passer dans la débûche. Ça, c'est 100% sûr. Ok, donc Valkyrie là-bas. Bah ok, j'ai pas mon chevalier, ça m'embête. Je trouve pas ça très sympa. Oh là là. Ah oui, farce. Par contre, ça aurait été bien que tu tapes pas la tour, toi. Bon, tant pis, ok, super, j'ai compris. Arrête. Bah, il s'est mal vu ça. Ok, il a fait mal, hein. Oh là là, les dégâts qu'on a pris. Ah, ça par contre, c'était peut-être une petite erreur, moi, non. Je vais te laisser connecter là-dessus, je m'en fiche. Faut te mentir, je m'en fiche, tu perds 3 d'élixir. Et là, là par contre, il va falloir défendre quand même. Ok, alors là j'ai pris cher, j'aurais préchappé le mineur, il était fini. Hein. Ou même j'aurais attendu un peu plus. Bon, on devrait repasser devant. Normalement, les archers vont mettre quelques dégâts. Il y a la Valkyrie. On va régérer au fil barbare. Okay. Ok, donc il a le bûcheron. Il y a des petites gargouilles, mais ça c'est pas très gênant. Il fait un trait négatif en élixir, donc ça me va. Oh, il rezappe. Ouh là là, il va se reprendre un Arkix, lui. On est passé devant légèrement, mais alors après, en Arkix, évidemment, c'est pas évident quand vous avez une tour de retard. On va voir comment ça se passe. Alors, à tout moment, je pense qu'il va nous bûcheron à la tête dessus, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ah, j'ai rien. Oh là. On a rien, les amis. On a rien, ça, on va faire autrement, on va faire un truc comme ça. Ouais, c'est parfait, ouais, il overcommit grave, il a pris super cher, on a apporté de BDF. Alors là, ça, ça régale, ça fait plaisir. Les petits gargouilles, on va les regérer avec juste les esprits de feu. On se prépare pour fuir barbare s'il met son bûcheron, mais je pense pas qu'il le mette. Ok, il le met pas. Parti à droite. Alors j'aurais bien aimé aller finir sa tour tout de suite, mais c'est pas grave. On a tour de l'enfer parce qu'il va vouloir forcer. Ok, sans défendre, on s'en fiche. Le mineur, on le gère avec les squelettes. On attend bien qu'il ait pris l'aggro, on le démonte. On va mettre les archers à droite. Voilà, c'est parfait. Oh là là. Alors à gauche, on peut finir avec la BDF. Hein. Donc on va sûrement pas tarder à aller finir avec la BDF.
Je remets un petit Arkix histoire de dire. Ah, c'était peut-être un mauvais Arkix. Hein. Ça y ressemble à un mauvais Arkix. Ça y ressemble fortement à un mauvais Arkix. Hein. Bon, c'est pas grave. On va au fil de barbare, là, il force avec l'armée de squelette, c'est parfait. On va reconnecter un peu sur la torée. Lui, on va le redéfendre avec. Avec pas mal de cartes. Oh, la tour, elle prend à gauche. Oh là là là, la droite, pardon. Bah voilà, mais voilà, juste à mettre une BDF là-dessus. Et au final, ça se passe très bien. Alors, j'ai eu un peu peur, mais non, ça se passe très bien. On est content. Oh là 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 là, le 88-0 qui régale. Oh, nouvelle arène. Oh, nouvelle arène. Trop bien, nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette arène? On a, oui, bah rien qui nous intéresse. Donc, à part avoir plus de chances de ne pas avoir les cartes qu'on veut, pour l'instant, ça ne nous apporte pas grand-chose. Alors, le compte est free-to-play, donc évidemment, on ne prend pas ce qu'il y a dedans. On va pas tarder à aller faire du défi classique également, un petit peu sur le compte, histoire de voir, de faire un petit peu de sous, un peu de gemmes, potentiellement obtenir des Arkix, des trucs comme ça, ce serait vraiment chouette. Alors, après, j'aimerais bien avoir 500 gemmes pour le prochain tournoi mondial qu'on fera. Comme ça, en cas de réussite, voilà, on prendra les 12 du tournoi mondial, et ça nous mettra extrêmement bien. Après, on est encore assez loin d'être niveau 9, donc il nous manquera encore quelques cartes. On va pouvoir monter un peu avec l'or qu'on a, esprit de glace, des trucs comme ça, pour pouvoir justement se rapprocher du niveau 9 tant attendu. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, hein, pour avoir plus de contenu autour du gaming, du jeu, du beau jeu, du fun. Excellente journée à tous.